Aujourd'hui, je te présente 11 métiers que tu peux effectuer chez toi, tout simplement dans le domaine de la beauté. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que l'avantage avec les métiers que je vais te proposer, ce sont des métiers qui créent de la récurrence. Par exemple, lorsque tu vas chez une prothésiste ongulaire, donc tu fais ta prestation et normalement, au bout de 3 semaines, tu dois revenir chez cette prothésiste ongulaire pour faire le remplissage de tes ongles. C'est un petit peu la même chose lorsque tu es technicienne en extension de cils. Tu vas faire ta prestation sur quelqu'un, mais à partir de 3 semaines, la personne devra revenir pour faire des petites retouches. Aussi, tu peux faire des systèmes de forfaits, des systèmes d'abonnements. Par exemple, si tu es dans le domaine des massages, tu pourras proposer des forfaits ou des abonnements. Massage minceur, parce qu'il faut savoir que c'est plus efficace lorsque tu fais plusieurs séances que lorsque tu fais une seule séance. Alors, donc on va commencer avec le body sculpting. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la mise en forme corporelle, minceur, etc. Donc, on va regrouper la masothérapie, la lipocavitation. Donc voilà, c'est tout ce qui est autour de vraiment modeler le corps. On a prothésiste ongulaire, bien sûr. On a également technicienne en extension de cils. On a maquilleuse. On a également coiffeur. Donc pour coiffeur, coiffeuse, tu pourras te spécialiser soit dans les braids ou soit dans l'application de les swigs ou soit dans les tissages. Tu pourras vraiment choisir ton domaine d'activité. On a également le métier de technicienne en blanchiment dentaire. Donc ça consiste à tout simplement faire une technique pour pouvoir blanchir les dents. On a le métier qui s'appelle brow artist. Donc c'est le fait de mettre en forme les sourcils. Donc brow artist va vraiment travailler au niveau de cette zone. Elle pourra faire des épilations, elle pourra faire la technique du brow lifting. On a également esthéticienne spécialisée dans l'épilation à la cire, donc sur toutes les zones du corps. Et tu pourras notamment proposer des prestations telles que vagiciel. On a toutes les prestations autour de la skin thérapie. Donc c'est vraiment prendre soin du visage. Donc on a les hydrofacial, on a le lifting, on a le peeling, on a le baby glow par exemple. Donc ça aussi, ce sont des prestations que tu peux exercer chez toi. Et enfin, on a toutes les prestations autour du maquillage permanent. Donc ça va être des tatouages par exemple, ou le microblending, également le camouflage de vergeture, etc. Donc tu vois que la palette, elle est plutôt large. Et comme je te disais, ce sont des prestations que tu peux faire plusieurs fois, ou vraiment tu auras une cliente, mais elle va devoir revenir pour espérer obtenir des résultats optimaux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!